Ils nous viennent de Saint-Paul-sur-Ternoise pour proposer leur musique. Ils s'appellent Pink Falda. Découvrez Pornographique Show. C'est parti. Ask me to be blue when I cloud this stupid life. Ask me to bite your lips when I come on your stupid bed. And I said no. Your mother can hear you when you cry, and she said so. Strung on me, my dear friends, don't be shy. I was like in a pornographic show. I was a child in a tiger's clothes. You ask me to be you, ask me to be her, to send you to the star. You ask me to be her, to send you to the star. You ask me to be all. You ask me to be all. You ask me to be all. You ask me to be cruel when I come on your stupid bed. You ask me to bite your lips when I cloud this stupid lie. And I said no. Your mother can hear you when you cry, and she said so. Strangle me, my dear friends, don't be shy. I was like in a pornographic show. I was a child in a tiger's clothes. You asked me to be 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 I was like in a pornographic show. I was a child in a tiger's clothes. I was like in a pornographic show. I was a child in a tiger's clothes. You ask me to be cruel when I cloud this stupid light. You ask me to bite your lips when I come on this stupid bed. Bravo Pink Falda, Maxime, Pierre et Romain qui va venir nous rejoindre pour faire connaissance. Alors là vous êtes à trois. Petite formule, normalement vous êtes six hein, dans le groupe. Vous êtes formé il y a combien de temps maintenant? Ça va faire 8 ans. Ouais. C'est formé en 2004. Enfin, la première formation, ça a changé depuis, mais ça, c'était il y a 8 ans. Alors, je pense qu'on peut montrer, on va demander à notre camarade Combe d'aller montrer le côté convivial de ce groupe. Regardez, voilà. Tout à fait. voilà. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui vous a réuni finalement pour créer? On a commencé au lycée ensemble, et puis après, on a pris nos amis dans le groupe. Quoi. Tous ceux qui viennent nous voir. Les influences? Il y a un peu de tout. Un peu de James Blunt au niveau du timbre de voix. Moi, j'ai remarqué ça quand même. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose. Bah, à la base, on écoute, enfin, surtout moi, j'écoute beaucoup de pop. Quoi. Ouais. La pop des Beatles, Blur, Supergrass, tout ça. Mm-hmm. Mais après, en engageant du
du personnel en plus. En devenant manager. On est personnel, mais évidemment, on est obligé d'élargir un peu. D'élargir l'influence. Alors, l'actualité, c'est, donc, il y a un EP qui existe déjà, mais il y a un album qui est en préparation. Donc, un EP, c'est un mini-album. Il y a un album qui est en préparation. Vous pensez de le sortir quand? Pour la fin d'année. On devrait rentrer en studio pendant les vacances d'été. D'accord. Donc, pour Noël, quoi. On l'aura pour offrir à Noël. Bien sûr, ouais. C'est un bon cadeau de Noël. C'est un magnifique cadeau de Noël. Il y a deux concerts à retenir pour nos amis de Pink Falda. Le 8 juillet, c'est à la maison à Saint-Paul-sur-Ternoise. Et puis le 9 septembre, au Dirty Fest de Boulogne-sur-Mer. Hein. C'est ça, je n'ai pas dit de bêtises. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur la Grand Place. Bravo, vous étiez formidables. Je vous applaudis et toute l'équipe de Réo également. On va refaire un brush un petit peu avec nous puisqu'on termine l'émission là. Un petit coup d'œil sur la météo. Ouais. Tout de suite. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord de France, banque et assurance. Une fois que les orages auront quitté notre région, le temps sera beaucoup plus calme et il fera moins lourd pour cette journée de vendredi. Néanmoins, on va regarder quand même les nuages et on devra apercevoir un peu le soleil. Quelques averses de temps à autre de ci, de là. Les températures matinales seront comprises entre 14 et 16 degrés. Et l'après-midi, donc moins lourd, entre 17 et 20 degrés. 17 à Calais et à Besson, 19 à Dunkerque, 19 également à Maubeuge, à Cambrai, à Soltain, à Lens, à Arras et 20 degrés à Lille. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord de France, banque et assurance. Merci de votre fidélité, c'est ici que nous allons nous quitter. Nous, on revient demain, même heure, même endroit, évidemment, avec une partie de l'équipe de Grand Place, la dernière de Grand Place, donc on va faire la fête tous ensemble. Et puis on va recevoir également les frères Bogdanov qui viendront avec nous pour nous parler de leur livre « Le visage de Dieu ». C'est assez drôle comme titre. Il a été qu'un jour. Oui, regardez, « Le visage de Dieu » peut revenir, les génial. Amis. C'est pas mal. Portez-vous bien, wevo.fr pour voir l'émission. Portez-vous bien, à demain. Salut, merci. With me.